Benzema Le Graët, les amis, on en avait parlé tout à l'heure dans la première partie, mais on va refaire l'historique. Noël Le Graët, le président de la Fédération française, qui avait accordé un entretien à l'AFP où il parle de Karim Benzema. Il dit « C'est de l'histoire ancienne en bleu. Notre équipe de France a maintenant son style de jeu et on ne peut pas revenir en arrière. » Des propos qui ont fait réagir Karim Benzema, qui a répondu de manière très vive sur son compte Twitter. La réaction de Karim Benzema en des mots très durs. « Monsieur Le Graët, avec tout le respect que je vous dois, vous avez perdu une occasion de vous taire, car je découvre votre vrai visage, qui n'est pas celui qui disait beaucoup m'aimer et ne pas se mêler de la sélection et des choix du sélectionneur. » Est-ce que Karim Benzema se trompe de cible en attaquant de cette manière Noël Le Graët ? Pas forcément. Pas forcément, Greg ? Non, il se trompe pas forcément, parce que en fait, ce que dit Le Graët, c'est « on ne peut plus le prendre ». Mais si on ne peut plus le prendre, c'est parce qu'on ne l'a pas pris avant. Donc l'argument de Le Graët est un peu fallacieux. Le Graët dit, regardez, là, si on voulait le prendre en équipe de France, on ne pourrait pas parce que ça joue différemment. Bah oui, parce que quand tu ne prends pas un mec pendant 3 ans, effectivement, ça joue différemment. Donc ça, c'est le premier point. Et dessus, il insiste sur quelque chose auquel moi, je suis sensible. Est-ce que ce n'était pas Noël Le Graët, on sait tous ici que c'est Deschamps qui veut plus de Benzema, est-ce que ce n'était pas Noël Le Graët de mettre de l'huile? Je veux dire, il est président de fédération, il est le dirigeant suprême, il est élu, il a été élu confortablement à chaque fois. Mmh. Est-ce que c'était pas lui d'arranger les bidons ou de faire en sorte que ça... Est-ce qu'il a pas essayé justement parce qu'il aime beaucoup Benzema? Est-ce qu'il a pas essayé? Voilà, ça je ne sais pas. En tout cas, est-ce que pour Benzema, ça a été la mise au banc pendant 3 ans. Donc est-ce que là, il n'y a pas un défaut dans son rôle. L'autre a quand même été 4 fois champion d'Europe en 5 ans. Donc arrive un moment, il faut quand même se poser cette question-là. Voilà, c'est peut-être ça qui pointe. Vincent, il se trompe de cible, Karim Benzema, ou pas ? En tout cas, il ne se trompe pas de moment. S'il veut créer un peu de buzz, c'est vraiment le bon moment. Donc là, pour le coup, il ne se trompe pas. Je sais pas si... Non, mais je pense qu'il en veut, et son entourage surtout, en veut pareillement aux deux. C'est-à-dire qu'ils en veulent à la fois à Noël Le Graët et à Didier Deschamps. Maintenant, pour moi, c'est inextricable. Je ne vois pas comment il aurait pu revenir. C'est-à-dire, effectivement, ça fait un peu long, quasiment 2 ans et demi de suspension, ouais. Quasiment 3 ans. C'est vraiment très très long, ça paraît même démesuré. Sauf qu'on n'est plus, à ce moment-là. On est dans les suites de la déclaration de Karim Benzema avant l'Euro 2016, disant que Didier Deschamps avait cédé à une partie raciste de la France. Et là, on atteint un point de non-retour. Donc en fait, je trouve que le débat depuis, il est artificiel. Le débat sportif est justifié, mais le débat, va-t-il revenir, est artificiel. Il ne peut pas revenir. Les arguments possible. Évoqués par Noël Le Graët, ils sont quand même un peu sportifs. Quand il dit « on a trouvé notre style de jeu et on ne peut plus revenir en arrière bah, ». Évidemment, parce qu'il ne peut pas dire la vérité. Oui. Bah, voilà. Là, il ne peut pas dire, de toute façon, il ne peut pas revenir. La situation entre le sélectionneur et lui fait que c'est impossible et qu'il ne reviendra pas. Mais il devrait. Est-ce que ce n'est pas ça qui amène Benzema à clasher Noël Le Graët? Non, puis il faut m'excuser le style de jeu. Enfin, dans une équipe qui n'a pas de style, justement, vous m'excuserez, mais ça tient pas debout, quoi. Donc c'est une phrase toute faite. Non, mais bien sûr, ça a pas de sens. Il faut pas lui donner un sens qu'elle n'a pas, quoi. Franchement. Non, mais toute façon, je veux dire, si le principe du style de jeu, c'est voilà Benzema, ben Benzema, comme a dit Vincent, bon voilà, c'est plus possible. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi Noël Le Graët s'est cru obligé de d'y aller de sa petite sentence par rapport. Est-ce qu'on a dû lui poser la question? Oui, mais je veux dire, il est suffisamment habile pour noyer le poisson et pour dire après, pour s'en sortir par une pirouette, une énième pirouette. Je pense c'est un peu ce qu'il avait fait, en fait. Parce que dans ses propos à lui, il n'y a rien de... Je pense qu'il a cru répondre par une pirouette, en fait. Oui, voilà. Après, la réaction mais c'est une pirouette à l'envers. Oui, c'est une pirouette à l'envers. C'est un salto. Ouais. Elle n'est pas appropriée, parce que Noël Le Graët a toujours adoré les joueurs, et donc Karim. Et je pense qu'elle est mal... il a voulu faire peut-être une pirouette pour ne pas répondre à la question qui était posée. Mais il l'a mal faite. Peut-être. Ça justifiait pas, selon vous, Paul? Non. Le tweet de Karim, parce que Noël Le Graët l'a toujours adoré. Après, qu'il y a des, ça fait 3 ans qu'on est dans le mensonge, enfin qu'on dit pas le pourquoi et le comment, et que Didier Deschamps aurait dû statuer sur pourquoi il le prenait pas. Mais Noël Le Graët a toujours adoré tous les joueurs de l'équipe de France et en particulier Karim. C'est pas destiné à Noël Le Graët. Il n'a pas le droit de faire ça. Lucien qui nous dit, au début, reprendre Benzema sans reprendre Valbuena, c'était impossible. Ensuite, Benzema s'est grillé tout seul, point d'interrogation. Est-ce qu'il s'est bien résumé ? Il y a un peu de ça. Oui. En fait, au départ, c'est l'histoire du meneur de jeu qui porte plainte contre l'avançante. Aller faire une équipe avec ça, c'était juste impossible. Donc, il a effectivement fallu geler les deux de la même manière. Ensuite,
Effectivement, il en est resté quand même une tension, et effectivement, ce qui s'est passé avant l'Euro 2016 empêche tout retour. Voilà, on est dans le cas où entre un entraîneur et un joueur, il y a un point de non-retour. Quand c'est en club, le joueur est transféré, il poursuit sa carrière. Quand c'est en sélection, il n'y a pas d'échappatoire. Mais encore aurait-il fallu que Deschamps communique. On en a parlé tout à l'heure, mais encore aurait-il fallu que Deschamps nous le dise. Sincèrement, on aurait tous. C'est l'avis de Deschamps. Il nous aurait dit voilà, moi c'est mon avis, c'est moi qui suis en responsabilité, c'est ça que je pense. Honnêtement, on aurait économiser 80% de tous les débats qu'on a là-dessus. Mais on vit sur des mensonges, sur la dissimulation, et ça, il y a quelque chose qui passe pas, il y a quelque chose qui ne s'apure pas, en fait. Il fallait mettre fin beaucoup plus tôt à ce débat, finalement. Il y a des années qu'on parle de quelque chose dont on n'a plus à parler, en fait. On est tous d'accord pour dire que sportivement, c'est très dommage qu'il soit pas là. C'est un attaquant fantastique, c'est le meilleur joueur de français actuellement. Tout le monde est d'accord là-dessus. Sauf que voilà, il s'est passé des choses qui font qu'il ne pourra pas revenir en équipe de France tant qu'il y aura Didier Deschamps sur le banc de la sélection. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut passer au débat suivant. Oudjani, juste pour terminer, un grand entraîneur aurait pu éviter l'affaire Benzema. C'est aller vite en besogne ou il y a... au moins, au Deschamps, au départ, il est responsable de rien. Il subit. Oui. Il subit l'affaire. Il s'en serait bien passé. Oui. Voilà, franchement, là pour le coup, là, je pense vraiment... C'est vrai que tu as raison de dire que ça fait partie du passé. Non, mais il y a... C'est pas normal qu'on soit tiré ça toutes ces années de cette façon. Enfin, il y a quand même quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas, et à la prochaine déclaration, au prochain feuilleton, peut-être que quand la Coupe du Monde aura démarré, on n'aura plus à parler de ça. Allez savoir. Enfin, on l'espère en tout cas, parce que après Rabiot, le feuilleton Benzema qui s'étire. Il faut bien parler de quelque chose en même temps pendant ce temps-là. Vous voyez, ça permet. C'est vrai aussi. C'est pas France-Irlande. Non, je plaisante. Karim Benzema, c'est fait. Tolisso. Parlons du jeu. Parlons de l'équipe de France. Quant à Tolisso.